Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Nous avons beau faire le tour des alternatives qui pourraient permettre à l'homme de conserver son niveau de vie actuel dans les pays industriels, un niveau de vie qui équivaut à ses besoins vitaux, ses besoins secondaires et surtout à ses besoins superficiels, qui sont définis par la richesse de la société dans laquelle il vit, nous savons que ça va être très compliqué. Prenons pour exemple les couverts en plastique jetables qui sont aujourd'hui interdits. Quelle alternative a été développée pour combler ce manque? En vous promenant dans votre supermarché, vous allez soit tomber sur une entreprise avide qui n'aura pas hésité à revoir son packaging en y intégrant la mention « réutilisable », comme vu récemment, ou bien vous vous rabattez sur les couverts en bambou, dernière tendance de l'alternative au plastique sur ce sujet. Dans les deux cas, vous faites fausse route. Les solutions doivent redevenir artisanales, s'inspirer et se construire localement sur les territoires. Dans ma dernière émission, je vous parlais de la résilience alimentaire. Eh bien aujourd'hui, il s'agit de la résilience consumériste. La consommation mondiale est le principal fléau qui nous conduit droit dans le mur. Après s'être satisfait de nos besoins vitaux, nous avons spéculé sur nos besoins superficiels au point où nous avons dévoré la nature et condamné notre propre espèce. Revenons sur les couverts en plastique. Pour devenir une menace pour nos océans et notre propre consommation d'eau, ils ont d'abord subi un effet démultiplicateur à l'échelle mondiale. Il ne s'agit pas d'un couvert en plastique fabriqué à Périgueux en 1972, mais bien un couvert en plastique parmi des milliers vendus à travers le monde, fabriqué à la seconde, comme la réponse à la modernité d'un repas mobile, d'où l'ampleur de la catastrophe écologique à laquelle nous pouvons ajouter le coût énergétique de la fabrication, ainsi que l'émission carbone due à cette même fabrication et au transport. Depuis sa création, en 1950, seulement 9% du plastique mondial a pu être recyclé. Notez bien le coût environnemental, social et énergétique d'une simple fourchette en plastique. À cela nous est apportée la solution du couvert en bambou. Eh bien non, ce n'est pas une solution, mais un nouveau coût environnemental, social et énergétique. Une fois de plus, imaginez le nombre de couverts en bambou aujourd'hui distribués à la surface du globe, imaginez la déforestation pour accueillir cette industrie florissante, et imaginez l'impact carbone encore une fois déployé. Vous me direz que cette fois-ci, il n'y a pas de plastique, je vous répondrai, peu importe, les fabrications à grande échelle contribuent un peu plus au réchauffement climatique, alors que les solutions ont existé et doivent de nouveau réapparaître ou bien être l'idée de départ d'une nouvelle solution. Rappelez-vous, les couverts en étain de vos parents ou grands-parents, éternels. Si nous démultiplions le nombre de futilités que les humains utilisent au quotidien, nous comprenons bien que le combat contre le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la pollution risque d'être ardu. Quel événement va et peut contraindre l'humanité à respecter son milieu et le vivant pour espérer rompre avec cette avidité destructrice? Une crise financière, une crise sociale ou bien encore un événement climatique? Nous ne savons pas. Par contre, ce que nous savons, c'est que l'humanité doit agir d'une même voie pour plus d'impact et c'est bien là où le doute s'installe dans notre capacité à réduire drastiquement notre consommation, voire modifier le système en place. Jusqu'à présent, les impacts ressentis par le réchauffement sont perçus de manière locale, n'influençant ni la population mondiale au changement, ni les marchés financiers à aucun compromis. Aussi, quel peut être l'événement déclencheur? Je vous donne un indice. Je suis auréolé d'une couronne et je me propage à très grande vitesse. Je suis le coronavirus Covid-19 identifié en fin d'année 2019. Une brève définition. Les coronavirus, du latin corona et virus, soit littéralement virus à couronne, puisque observé par un microscope, sont naturellement présents dans notre environnement
peuvent infecter les mammifères et les oiseaux. Pour se répliquer, le coronavirus suit un modèle de 6 étapes successives dont je vous passerai le développement. À ce jour, 7 coronavirus peuvent infecter l'homme, ceux qui sont humains et qui infectent l'homme, généralement les signaux cliniques sont des infections respiratoires, et ceux qui sont d'origine animale et qui infectent dans un second temps l'homme. Sur ce second cas, les symptômes sont également respiratoires mais aussi digestifs. Un pourcentage non négligeable de rhume banal, surtout en hiver ou au début du printemps. Deux cas spécifiques sont tout de même à recenser. Le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus, qui est apparu pour la première fois en Chine en novembre 2002. Il a d'ailleurs provoqué une épidémie en mai 2003. L'identification du virus a été assez rapide. Le diagnostic était donné par un examen clinique, les signes radiologiques et le fait d'avoir voyagé dans le foyer d'infection. A priori, le virus a franchi la barrière des espèces. L'étude d'échantillons d'animaux sauvages vendus comme aliments démontre la présence du coronavirus chez des civettes, qui sont des chats musqués. En 2013, le même syndrome est retrouvé vivant dans les excréments de chauves-souris. Au final, c'est 646 morts sur cette première épidémie de 2002 et 2003. En 2012, 10 ans plus tard, le MERS-CoV est découvert. Appelé syndrome respiratoire du Moyen-Orient, il provoque une pneumonie et une insuffisance rénale aiguë. Son origine animale est le dromadaire. Ce coronavirus a même été classé par l'OMS comme maladie émergente pouvant provoquer une pandémie. Ces virus sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement infecter une ou plusieurs espèces animales ou l'être humain au gré de mutations. Mi-juin 2015, l'OMS annonce 458 morts répartis dans 25 pays. Aujourd'hui, une nouvelle menace virale est active depuis fin 2019. Appelée Covid-19 ou pneumonie de Wuhan, car comme pour le premier cas de SRAS, le nouveau coronavirus est apparu en Chine dans une contrée du Hubei, à Wuhan. Comparable à ses prédécesseurs, il a une particularité supplémentaire, c'est sa forte capacité de propagation. Actuellement présent dans plus de 30 pays, cette marée virale angoisse la planète. Le dernier bilan fait état d'un peu plus de 2300 morts dans le monde. Le cas semble donc être plus préoccupant que les précédents coronavirus. Reporté au nombre d'infectés, nous sommes de 2 à 4% de taux de mortalité suivant les foyers. Bien évidemment, le coronavirus est actif, comme la grippe, de manière saisonnière. Il y aura donc un pic et une chute. Mais ce qui est intéressant avec la propagation du Covid-19 est d'observer la réaction mondiale à cette pandémie. L'affolement que provoque le coronavirus est complètement différent de ce que peut provoquer un tsunami, un tremblement de terre, une tornade ou encore des feux de forêt. Tous ces événements ne font pas reculer l'humanité dans son affront quotidien envers la nature. Eh bien là, si, c'est le cas. Qu'est-ce qui nous touche finalement? Pas ce qui est extérieur à nous, mais bien ce qui nous touche dans notre chair, comme la maladie. Depuis fin décembre 2019, l'épidémie de coronavirus a déclenché une perturbation économique mondiale sans précédent. La mise en quarantaine des populations redessine les contours de la consommation. La Chine vient d'imposer l'interdiction de vente d'animaux sauvages sur les marchés, c'est une excellente nouvelle. Le commerce international se voit fortement perturbé. Par satellite, nous pouvons même observer la région de Wuhan, qui a perdu 30% d'émissions de gaz à effet de serre en 2 mois. La pollution se dissipe, et pour la première fois, les enfants peuvent contempler le ciel. Pour vous donner quelques titres sur l'impact économique du coronavirus, les entreprises pourraient subir quelques pertes, la ville de Milan tourne au ralenti, au Canada, l'économie est fortement impactée. Bref, vous l'aurez compris, cette panique répandue au niveau économique modifie le comportement de différents acteurs, mais y compris celui du consommateur. Une sorte de protectionnisme saisonnier devrait se mettre en place. Regardez également l'impact sur le tourisme qui souhaite réellement voyager et rester isolé sur un paquebot en ce moment. Voyez à quel point un microscopique virus impacte la communauté humaine. Pour terminer, le caractère saisonnier du coronavirus, excepté toute mutation autre, signifie que la perturbation actuelle ne sera que temporaire. Il faut donc espérer qu'enfin, après cette expérience, l'humanité comprenne que la résilience locale est plus que souhaitable pour restaurer l'équilibre des écosystèmes et préserver la santé humaine. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh! Oh! Oh!
C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois? Mais tu vois, Green, absolument. Green, plus Green.